Bonjour Amilcar. Bonjour Nabil. Peux-tu nous présenter le contexte de ta mission VI? Alors, j'étais recruté en tant que VIH et Business France en Angola, donc basé à Luanda. Et mon travail consistait à accompagner les sociétés françaises dans leurs projets export et d'investissement en Angola. Donc, c'était sur des secteurs particuliers, essentiellement les secteurs des énergies, du pétrole, de l'eau, de l'environnement et des infrastructures. Donc, mon travail, à travers des études de marché, l'organisation d'événements ou l'organisation de missions de prospection, était vraiment d'aider les sociétés françaises à avoir toutes les cartes en main pour pouvoir réussir en Angola de la meilleure des façons possibles. Très très bien. Quels atouts avais-tu en débutant ta mission? Alors, je pense que mes deux atouts principaux étaient premièrement le fait que j'avais une expérience du monde lusophone. J'ai eu une expérience d'un an au Brésil, un échange académique, et j'en ai profité pour faire un stage chez Business France, donc au Brésil, à São Paulo. Et donc, j'avais cette maîtrise déjà de la langue portugaise. L'Angola étant un pays de langue portugaise, il était indispensable, obligatoire pour un VIA dans le pays de parler la langue. Et le second point, c'était mon grand intérêt pour le continent africain. C'est vrai que c'est quelque chose qui ne court pas forcément les rues aujourd'hui, mais le fait que j'avais un grand intérêt pour découvrir le continent africain, et en particulier l'Angola, qui était vraiment un pays spécifique avec une histoire et un contexte économique spécifique, ont fait que je pense j'avais les meilleurs atouts pour débuter cette mission. Très bien, donc on voit qu'effectivement tu es parti en mission avec un véritable intérêt pour le pays et puis aussi on va dire de fortes compétences linguistiques. Est-ce que cette mission elle t'a permis de développer de nouvelles compétences? Eh bien, je dirais que j'ai développé trois compétences. La première, c'est l'adaptabilité, la patience. Quand on travaille dans un pays comme l'Angola, et comme dans beaucoup de pays dans le monde, on doit faire face à une culture différente, et notamment un rapport au temps et au respect de l'autre qui peuvent être changeants. Et j'ai vraiment appris ça également dans la vie de tous les jours, lorsqu'on voit qu'il y a des coupures d'énergie, des coupures d'eau régulières, ou lorsqu'on attend très longtemps pour pouvoir remplir son essence, pour pouvoir faire le plein d'essence, ou bien tout simplement lorsque les magasins ne sont pas remplis comme on a l'habitude d'avoir en France, on se rend compte qu'il faut être adaptable et surtout qu'il faut être patient. Donc ça, c'est la première qualité que j'ai développée. La deuxième, c'est la curiosité intellectuelle. En tant que VIH et Business France en Angola, on doit toujours être capable de discuter de plusieurs secteurs différents et d'être expert dans plusieurs secteurs différents. L'eau, l'environnement, les infrastructures, l'énergie, le pétrole, tous ces éléments doivent être maîtrisés. Et le fait que je suis quelqu'un de curieux naturellement m'a aidé, mais j'ai vraiment dû pousser cette curiosité vraiment en profondeur pour pouvoir être capable de maîtriser tous ces sujets. Le troisième point, je dirais, c'est la prise de recul, l'humilité. Voilà, on apprend à ne pas prendre les choses personnellement lorsqu'on travaille dans ce secteur. C'est vraiment la troisième compétence que j'ai pu développer et qui m'a aidé pour le coup d'un point de vue professionnel, mais également personnel. Très bien. Quel est le souvenir le plus marquant que tu as en fait de ta mission en Angola? Plus qu'un souvenir, j'ai surtout une impression très positif du pays. Il y a peut-être quelque chose qui me revient, c'est le fait que quand je suis arrivé en Angola en 2016, le pays était dans une crise pétrolière assez importante alors qu'il avait vu pendant 4 ans, 4-5 ans, une forte croissance économique. On parlait même de Dubaï de l'Afrique. Et en 2016, donc 2015-2016, forte crise pétrolière. Et donc en même temps, un contexte politique difficile avec un président qui était présent depuis 40 ans. Et en 2017, lorsque j'étais présent, j'ai pu observer un changement de régime et avec cela un changement, en tout cas une tentative de changement de modèle politique et économique, et avec cela un changement au niveau on va dire, de l'état d'esprit des Angolais avec un espoir qui renaissait. Et ça, c'était vraiment très intéressant à voir. Cette espèce de changement qu'il y a eu entre le moment où, en 2016, quand je suis arrivé, où c'était la sinistrose, hein, clairement, les gens ne croyaient plus en grand-chose et ne croyaient plus en l'Angola. Et en 2017, lorsque les Angolais se sont mis à croire à leur pays, et notamment en l'espoir suscité par le nouveau président. Et ça, j'ai pu le voir à la fois avec mes collègues angolais, mais également avec les personnes en dehors, donc les Angolais en dehors de l'ambassade avec qui je discutais. C'était très, très prégnant et très intéressant de voir ça. De façon générale, comme je le disais,
C'est une expression extrêmement positive du pays. L'Angola reste un pays qui m'est très cher et dans lequel je souhaiterais retourner par la suite pour une expérience de vie personnelle ou professionnelle. Merci Mika. Merci David.